Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo en direct qui regarde actuellement un mammouth vieux de plus de 12 000 ans qui a été acheté par la société Soprema spécialisée dans l'étanchéité et dont le symbole est un éléphant. Ce mammouth va être hissé au sommet de la plateforme que vous voyez à gauche de l'écran. Et puis ensuite recouvert d'un cadre que je vais vous montrer, voilà. Et puis le tout sera arrosé de jets d'eau multicolores, voilà. Donc ça va être un sacré truc. Ce que va faire actuellement le, ce que vont faire actuellement les ouvriers qui sont là, ça va être simplement de monter ce mammouth sur la plateforme là-haut, évidemment sans le briser, puisque il s'agit donc évidemment d'une pièce extrêmement rare et extrêmement bien conservée, comme vous pouvez le constater, et qui, je le répète, a plus de 12 000 ans. Voilà. Donc ça se passe un petit peu de commentaires. En termes de son, il n'y a pas grand-chose non plus à entendre. Mais en termes d'image, ça devrait être intéressant. Voilà. À bientôt. Ah, vas-y. Ah, c'est bon. En fait, on voudrait être plus près, mais il n'y a pas moyen. Bah, le vigile, il nous a un peu jeté, quoi. Non, mais là, en fait, je pense que je suis bien. Ouais. Quinze heures trente? Alors, on nous informe que le levage qui était initialement prévu à 2 heures a été décalé finalement à 3 heures, puis à 15 h 30. Voilà. Donc, il va falloir être très patient parce que c'est donc pas pour tout de suite.
Alors, on nous informe que le levage qui était initialement prévu pour 2 heures a été décalé à 3 heures, puis à 15h30. Voilà, donc il faudra être patient puisque ce n'est visiblement pas pour tout de suite. Pas sûr qu'il le bouge aujourd'hui.
voulez bien nous faire une petite mise à jour? C'est pas grave. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des délais? C'est assez compliqué quand même de monter, déjà de monter un mammouth de 12 000 ans qui est déjà réparti dans trois caisses différentes. Vous savez qu'il faut agencer effectivement avec doigté et science, donc ça prend un peu de temps. Et là, la météo effectivement nous montre, alors il fait beau, donc ça c'est formidable, mais en revanche il y a un peu de vent. Et je pense que du coup, faut réfléchir à la façon dont on va pouvoir le monter sur la plateforme, voilà, pour que ça se passe bien, dans les meilleures conditions. Donc du coup, quel est le problème? Est-ce que c'est plutôt pour le mammouth lui-même ou est-ce que c'est plutôt pour la cage? Alors de ce que j'ai compris, d'après ce que m'a dit le responsable du chantier, c'est plutôt la cage. Parce qu'en fait, elle offre beaucoup de prise au vent. Et comme le vent est assez fort là pour le moment, on attend de voir s'il le réduit pour décider de ce qu'on va faire. Mais il pourrait monter le mammouth et pas la cage? Absolument. C'est pas un petit peu risqué parce que le mammouth, il faut quand même le protéger, non? Oui, il faut le protéger, vous avez raison, mais a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Ils vont prévoir dans ce cas-là quelque chose pour le protéger en cas de pluie. Voilà, donc ça, je n'ai pas trouvé d'inquiétude là-dessus. Je pense qu'ils vont faire très attention à ça. Mais il est possible qu'il n'y ait que le mammouth qui monte sur la plateforme aujourd'hui et pas la cage, effectivement, en fonction du vent. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments. Voilà, donc on l'a entendu, il se pourrait que la cage qui est donc sur la gauche de l'image et qui effectivement est très imposante, hein, qui doit faire, je sais pas moi, ça doit être un cube de quelque chose comme presque 10 mètres sur 10 mètres au moins. Donc effectivement, elle offre beaucoup de prise au vent. Et on voit là actuellement que les parois sont en train de se gonfler. Donc effectivement, s'il y a des rafales qui continuent de survenir, comme à l'instant, eh bien, ça peut poser des problèmes. Voilà, donc apparemment, ils sont partis pour installer le mammouth, mais pas forcément la cage. En tout cas, ils y vont doucement. Mais il n'y a pas de problème, nous on a encore de la batterie, donc on continue à filmer. Thank you.
d'accord pour faire plus. Non, je ne sais pas si je ne pense pas le mettre là. Parce que j'ai peur que ça fasse un peu perdu dans le, avec un grand temps. Donc, je me suis de recul, je vais pouvoir le faire détacher un peu. Mais là, ça a marché, sauf que ouais, avec la lumière, en face du mur, fais attention à tes limites dans mon cadre. Ouais, mais voilà, ça fait quand même 2 heures que je souhaite ici quand même. Voilà, donc si vous nous rejoignez à cet instant sur le direct, donc je rappelle qu'il s'agit d'une opération de levage de mammouth. C'est pas courant. C'est un mammouth vieux de 12 000 ans qui a été acheté par la société Soprema
et qui va être installé en haut de cette plateforme sur la gauche de l'image. Et puis ensuite, il y a un cube transparent destiné à le protéger des rayons, notamment, qui sera apposé dessus si la météo le permet. Et le cube, il est à droite de l'image. Alors évidemment, tout le monde est prêt, mais les conditions ne sont pas encore tout à fait réunis pour pouvoir lever ce mammouth. On nous annonce probablement un lever à partir de 15h30 et on ne sait pas si la cage sera levée aujourd'hui ou pas en raison des petites rafales de vent qui continuent d'empêcher le levage complet de la structure. Une fois que le mammouth sera installé sur sa structure et que la cage sera reposée dessus, il y aura des jets d'eau qui seront lumineux, et ça c'est la partie d'Aquatic Show, pour faire une sorte d'œuvre en mouvement qui se mariera avec la flèche de la cathédrale en arrière-plan. Voilà. Donc on reste sur place jusqu'à ce qu'ils aient fini de lever ce mammouth. Mais bon, il attend ça depuis 12 000 ans, le mammouth, donc il n'est pas vraiment pressé. À tout de suite. Il faudrait plus qu'une petite pluie là, tiens. Ça, c'est pas waterproof. Hein. Voilà, donc là, comme en ce moment, comme vous pouvez peut-être le constater ou le voir sur l'image, il y a des petites rafales de vent qui sont quand même assez sensibles. Mais évidemment, sur une structure de 10 mètres par 10 mètres, dont les parois transparentes ne sont pas perforées, ça risque de poser des petits problèmes de prise au vent, puisqu'il ne faudrait pas que la structure s'envole. Surtout, il ne faudrait pas qu'au cours de son trajet, elle aille buter contre la cathédrale qui est à quelques mètres plus bas, plus loin. Donc évidemment, toutes les précautions sont prises et les employés de la société de montage préféreront annuler
l'installation plutôt que de faire prendre un risque quelconque, soit à la structure, soit à la cathédrale, évidemment. Mais on regarde ça sur le live. Tant qu'on a de la batterie, on tient et on continue à diffuser.
Ok, donc là j'ai l'impression que c'est parti. Je suis pas un spécialiste des opérations de levage de mammouth, mais la grue est harnachée. Des chaînes vont être apposées sur la structure qui retient le mammouth et il sera levé à 5-6 mètres au-dessus du sol sur la plateforme que vous devinez à gauche de l'écran. Voilà. Et la plateforme, enfin la cage que vous voyez à droite de l'écran sera ensuite apposée dessus, mais peut-être pas aujourd'hui. Voilà, donc ça a l'air imminent, ce levage. En tout cas, côté mammouth, tout semble prêt. Vous voyez que ces défenses, qui sont assez impressionnantes, ont été protégées. Puisque, évidemment, c'est un ensemble très fragile. Même s'il est renforcé, vous le voyez peut-être pas à l'image, mais en fait, tout le squelette est renforcé par des petites... des petits renforts donc en métal, mais bon, l'ensemble reste quand même fragile et délicat. Donc voilà, ça va être une opération de haute voltige qu'on va suivre en direct. Non, c'est bon. Hey. Je sais pas.
ce que demandait mon collègue. Moi, mon idée, c'était plus de faire ça. Parce que c'est, si maintenant on n'avait pas la conflash, on avait la conflash, je suis obligé de sécuriser le maximum. Mais on a un attente flash jusqu'à 21h30. Au niveau des camionnettes, il n'y a que pas de tout. Vous pouvez aller là-bas. Même loin. Mais vous êtes vraiment sur les mecs. On a le bon angle. Mon chef m'a dit que tu as fait un time-lapse. Tu as dégagé quand il fallait mettre Non, elle a déjà participé. Alors allons-y. Vous n'êtes pas à l'image, hein, donc vous êtes tranquille. Dites-moi comment vous appelez et puis votre rôle ici. Alors moi, je représente la ville de Strasbourg. Je suis chargé de la sécurité sur le site de la place du Château sur cette opération. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Là, il va se passer, en fait, le mammouth a été remis, sorti de ses boîtes, les fémurs, tout a été mis en place sur la structure. Et là, on est juste en attente pour justement soulever l'ensemble du mammouth avec sa structure pour la mettre sur la plateforme au-dessus du bassin. Et on parle de combien de kilos on va lever là ? Alors là, on va lever 2 tonnes. 2 tonnes, le mammouth c'est 2 tonnes. Le mammouth plus la structure, c'est 2 tonnes. Plus la structure qui le soutient là. Toute la structure métallique que vous voyez là. D'accord. Et pour la structure, la superstructure alors, qui viendra par-dessus, c'est combien de kilos ? Alors celle-là, c'est de l'alu, c'est une structure alu. Elle doit être une tonne deux, pas plus. Ah oui, d'accord, ok. Donc elle est plus grande, mais plus légère. D'accord. Tout à fait. Ok. Très bien. Et alors ? Oui. Alors, quels sont les impératifs de sécurité ? À quoi vous faites attention ? Là, on est surtout très attentif par rapport à la météo et par rapport à la prise au vent. Parce que c'est très délicat de soulever ce mammouth. Donc là, ça fait quand même déjà presque 1h30 qu'on attend pour savoir quel est le moment pour lever ce mammouth pour le poser sur la plateforme. D'accord, donc c'est essentiellement la météo, parce que vous voulez pas qu'il y ait une rafale de vent. Voilà, une rafale de vent pourrait faire basculer un peu la structure, et c'est pour ça que là, on l'arrime vraiment à maximum, justement pour qu'au moment on déplace le mammouth, qui ne bouge pas. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup.
Ils doivent le monter là. Comment ça, t'avais déjà vu un mammouth? T'as déjà vu un mammouth et dis pas ton papa. C'est Voilà, donc un petit point d'étape pour ceux qui nous rejoignent. Donc, il s'agit d'une opération de levage de mammouth. Donc, le squelette que vous voyez à l'écran a plus de 12 000 ans. Il a été acheté par la société Soprema, dont l'emblème est un éléphant, 500 000 euros. Et il va être levé sur la structure que vous voyez en haut à gauche de l'écran et exposé dans le cadre de l'opération L'Industrie Magnifique. Et ce mammouth sera ensuite protégé par une superstructure, notamment contre les rayons du soleil. Et puis on va lui balancer dessus des jets d'eau qui seront colorés, voilà, et avec aussi de la musique pour faire une œuvre en suspension. Voilà, l'œuvre s'appelle Mammouthus Volantes, et elle sera évidemment avec la cathédrale en arrière-plan, ce qui donnera quelque chose d'assez chouette, en tout cas, on l'espère. On est ici pour suivre son levage, qui n'est pas évident compte tenu des conditions météo. Les employés là, ce que vous voyez à l'écran, sont en train de s'affairer pour redoubler les sécurités, les cordes, les cadres, etc. Pour empêcher évidemment que si jamais il y a un coup de vent, eh bien que le squelette ne se désosse, ce serait vraiment fâcheux. Surtout que ça coûte cher, ces petits engins, 500 000 euros, comme je vous l'ai dit. Voilà, on reste en direct pour assister à ce levage qui ne devrait plus tarder. Ouais, il y aura des vélos. Pour faire place.
que ça va être beau, regarde. Ouais, quand on va regarder, on aura la flèche de la cathédrale. Tu vois, la flèche de la cathédrale, là-haut. Ça va être super chouette. Bon, si tu veux aller au vaisseau, grand coup, tu peux juste le demander. On a du neuf sur la... l'heure de levage, hein. On a du neuf sur l'heure de levage là. On a du neuf sur le moment du levage. Ah d'accord, parce que j'ai l'impression qu'ils enlèvent des trucs là. Vous allez me voir voler. Ça y est, il va voler. Alors, on nous informe que le levage pourrait être imminent. Alors, je vous avoue que depuis le temps qu'on attend, je ne sais pas vraiment ce que imminent veut dire dans le langage des techniciens qui sont ici. En tout cas, le mammouth est débarrassé de ses derniers, de ses dernières protections. Et donc, il va être levé. Vous voyez qu'il bouge quand même pas mal. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou si c'est normal. Voilà. En tout cas, les techniciens l'attendent en haut de la structure et tout le monde semble prêt. Le harnais est en train de s'approcher. Donc voilà, c'est dans, probablement dans la demi-heure qui suit. Restez connectés. Nous, tant qu'on a de la batterie, on continue de filmer. Thank you.
Thank you.
Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, ils sont en train de, d'enlever toutes les dernières protections qui maintenaient le mammouth sur sa structure. Et puis, autre signe qui ne trompe pas, le grutier a pris place dans la cabine. Donc, il semblerait que le levage soit imminent, en tout cas dans les minutes qui viennent. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un squelette de mammouth authentique de plus de 12 000 ans, acheté plus de 500 000 euros par la société Soprema, dont le quartier général est à Strasbourg. Soprema est une entreprise spécialisée dans l'étanchéité des bâtiments et son emblème est un éléphant. Donc elle réalise là une belle opération de communication, surtout quand on voit le nombre de médias qui se sont mobilisés pour relayer cette opération. Il faut reconnaître que on n'a pas l'occasion de voir un squelette de mammouth tous les jours et dans l'environnement de la place du château encore moins. C'est donc une belle occasion et c'est aussi pour ça que vous êtes aussi nombreux à être connectés sur cette vidéo et on vous en remercie. Ne marche pas dessus, Félix. Ok. Reculez les enfants, mettez-vous derrière moi ou ailleurs si vous voulez. Papa ? Oui. Je veux bien reculer. Regardez, oh, là-bas il y a de la place hein, si vous voulez regarder. Vous y allez ?
il va rester, je pense, une semaine. Hein. Il fait l'inauguration sur toi, c'est le 3 mai. Et il a juste une magnifique, c'est jusqu'au 9 mai. Je ne sais pas si c'est. Je pense ouais, qu'il va rester au moins pendant la durée de l'enquête. En fait, il y a un site web pour l'industrie magnétique. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal fait, mais si vous allez dans. Si vous allez dans. Il y a une rubrique qui s'appelle justement pour les expositions, en fait. Et là, on voit toute la liste des expositions. Alors, donc cette fois la grue approche avec le harnais qui va soulever la superstructure du mammouth, enfin la sous-structure du mammouth. Et il semblerait qu'il soit enfin décidé à porter ce mammouth sur la structure qui est à gauche de l'écran. Voilà. Et qui est situé à 5-6 mètres au-dessus du sol. Thank you.
Alors, à la question « Y a-t-il un conservateur ou une conservatrice dans les parages ?» Eh bien, je n'en sais rien, je ne pense pas. Mais en l'occurrence, cette œuvre est un bien privé puisqu'il a été, elle a été acquise plus de 500 000 euros par la société Soprema, dont l'emblème est un mammouth, est un éléphant. Donc il s'agit d'un mammouth de plus de 12 000 ans. Et je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur le direct qu'il est en train d'être hissé à 5-6 mètres au-dessus du sol dans le cadre de l'opération L'Industrie Magnifique. Il s'agit de mettre en valeur le savoir-faire de Soprama en termes d'étanchéité. Et ça y est, donc cette fois, le mammouth est en train d'être levé. Donc toute la difficulté va être de l'emmener sur la structure que vous voyez là-haut, à gauche de l'écran, où vous devinez les petits bonhommes, voilà, qui sont en train de l'attendre. Et cette structure pèse 2 tonnes. Donc la difficulté, évidemment, est d'empêcher une prise au vent. Sachant qu'il y a des petites rafales qui viennent périodiquement se rappeler à toute l'équipe mobilisée. Thank you.
Et voilà, l'opération est presque bouclée. Donc voilà le truc. On voit que le. Voilà, c'est ça le. Une partie de l'installation. Donc ce qui permettra effectivement de deviner le mammouth une fois qu'il sera emballé derrière la superstructure. Et donc. L'idée étant de faire une opération qui, comme vous le constatez, est saluée par les applaudissements de la foule ici présente. Voilà, donc c'est la fin de cette opération de levage de mammouth. On remet un petit coup de brouillard pour faire plaisir et parce que c'est joli. Et donc, on va mettre fin à cette vidéo en direct qui aura été exceptionnellement longue. C'est peut-être l'une des vidéos en direct les plus longues de l'histoire de Rue 89 Strasbourg. C'est pas rien. Il fallait peut-être l'industrie magnifique pour battre ce record. Il reste la structure, la superstructure à monter. Et ça, ce sera une autre paire de manches, puisqu'elle est un peu moins lourde. Elle fait moins de 2 tonnes. En revanche, elle est beaucoup plus imposante, comme vous pouvez le constater. Et surtout, elle a une énorme prise au vent. Donc, les techniciens préfèrent attendre que le vent soit retombé avant de la hisser. Voilà, donc là, on voit un début de ce que pourra être cette structure, puisqu'il y aura des petits jets d'eau, et après, ils seront en plus colorés. Voilà. Donc, je vais mettre fin à ce direct, d'autant qu'on va finir par être tous complètement noyés sous les jets d'eau d'Aquatic Show, sachant qu'il ne fait pas très chaud, c'est peut-être pas une bonne idée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en direct, et on se retrouve bien sûr sur Rue 89, et à bientôt sur Facebook pour d'autres vidéos en direct.